Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui on se retrouve en salle pour la démonstration technique d'un exercice d'isolation pour les pectoraux, principalement la partie supérieure des pectoraux. Il s'agit du low cable crossover. Donc au niveau de la technique, cet exercice se passe à la poulie vis-à-vis. Dans un premier temps, je vais saisir les poignets, chaque poignet en supination, hein, je vous rappelle les amis, supination, pomme de main vers le haut. Ensuite, je vais avancer d'un ou deux pas, de sorte à commencer le mouvement avec les bras légèrement en arrière du plan dorsal. Pourquoi ? Ben, tout simplement, ça va m'apporter une amplitude de travail complète, d'accord ? Et surtout un bon étirement. Alors que si vous restez sous la poulie, vous n'aurez pas d'étirement nécessaire. Et rappelez-vous les amis, hein, plus un muscle s'étire sur la phase négative, plus lorsque vous allez le contracter, plus sur la phase concentrique, il sera fort. Donc j'avance d'un ou deux pas, de sorte à avoir les bras légèrement en arrière du plan dorsal. Les épaules sont en position arrière, je gagne bien au niveau des abdominaux. Je regarde droit devant moi. Les bras sont tendus avec un léger flex, toujours léger flex. Et ce qui est important pour cet exercice, c'est que durant tout le mouvement, d'accord, l'angle que forme votre bras et votre avant-bras ne devra en aucunement changer. Un peu comme les écartés couchés. Regardez ma vidéo sur les pectoraux, les écartés couchés. L'angle que forment, d'accord, ces deux segments ne devra pas bouger, d'accord. Donc, je reprends mes poignets. Je réavance d'un ou deux pas. Les bras sont tendus, léger flex, les épaules sont en position arrière. Je gagne bien au niveau des abdominaux. On sort bien la cage thoracique. Et là, je vais, dans un même bloc, hein, lever les bras face à moi, une antépulsion. Les mains vont se rejoindre et monter jusqu'à hauteur de mes yeux. Je descends en aspirant. Comme vous pouvez voir, mes bras sont légèrement en arrière du plan dorsal. Constamment garder une tension, hein, d'accord. Ne laissez pas relâcher. Garder une tension constante, c'est l'utilité des poulies. C'est justement de maintenir une tension constante du début jusqu'à la fin du mouvement. Donc, dès le départ du mouvement, commencez déjà à contracter vos pectoraux. Ok. Et arrivé en haut du mouvement, le crossover, vous allez, d'accord, faire croiser les mains. Lorsque vous allez croiser les mains, vous allez sentir à la partie supérieure des pectoraux va être fortement contractée. Par contre, si vous faites ce croisillon, de répétition en répétition, vous allez changer l'ordre du croisement. C'est-à-dire qu'une répétition, c'est la main gauche qui va passer au-dessus de la main droite, qui va croiser au-dessus de la main droite. Et ensuite, ce sera la main droite au-dessus de la main gauche. Et vous alternez. Les bras montent bien à hauteur des yeux. Je maintiens un pic de contraction une seconde. Je descends en aspirant sur deux secondes. Comme vous pouvez voir, hein, l'angle que forme mon bras et mon avant-bras ne bouge pas. Et ça, c'est crucial, les amis. Je vois trop souvent ça. D'accord. Il faut vraiment que le bras reste tendu et se lève en un seul et même bloc. Voilà. Les bras légèrement en arrière du plan dorsal pour avoir un bon étirement. Je commence dès le début du mouvement à contracter. Et je redescends. Donc cet exercice, hein, d'isolation, vous pouvez le remplacer. Vous pouvez remplacer par exemple les écartés couchés, les écartés inclinés, tout ce type d'exercice d'isolation. Vous pouvez remplacer par le low cable crossover. Donc on restera toujours, hein, sur un schéma classique. 4 séries, 8 à 10 répétitions. Moi j'aime bien une minute de repos, 2 minutes, je trouve que c'est un peu trop long pour un exercice d'isolation. Et puis voilà les amis, donc c'était le low cable crossover. Encore une fois, et dernière petite chose, on ne substitue pas cet exercice par exemple à un développé couché. Cet exercice ne va pas promouvoir fortement la masse, d'accord. C'est un exercice d'isolation, par contre, bien réalisé, il est redoutablement efficace. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. La semaine prochaine, on se retrouvera toujours en salle pour un exercice, pour une technique de triceps, d'accord. Donc, je tenais à vous souhaiter, entre guillemets, à tous, mes meilleurs voeux 2015, plein de bonnes choses et surtout une bonne santé. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, à la semaine prochaine les amis, bye bye, ciao.